Bonjour les amis, alors ici on est entre Combani et Kahani, donc là où il y a eu l'accident pour le camion qui a été renversé. Ici vous voyez déjà les gens sont en train de voir pour redresser le véhicule, mais c'est pas gagné, c'est une opération qui va prendre presque 2 heures. Le temps de débrancher le carburant, pomper le carburant, l'enlever, etc. etc. Couper aussi l'alimentation. Ça va prendre un petit peu plus de temps ici entre Combani et Kahani. Donc ce camion était en train de monter. Donc zoom sur le lieu où le camion s'est renversé entre Combani et Kahani. Donc ici l'enlèvement avec un Terex, d'accord, pour soulever le camion qui s'est renversé sur la voie. Donc l'opération est en cours. Donc ici entre Combani et Kahani, la circulation alternée jusqu'à ce que les opérations de redressement pour le camion soient réalisées. Donc il y a à peu près 2h30 à 3h de travail ici. Donc petit message pour ceux qui veulent passer entre Combani et Kahani, oubliez, les opérations vont commencer pour extraire le camion qui est sur la chaussée. Donc durée 3 heures, 3h30 de blocage ici, donc bifurquer, passer sur une autre itinéraire, n'envisagez pas de passer à Combani. L'eau a obligé ou à déployer grue. Hey, laisse la. Ok, ici vous avez assisté la dissociation de la remorque et ici le porteur qui est là et la remorque.
Donc l'opération d'enlèvement va se faire très facilement puisque les deux ensembles se sont fait dissocier. Ah, deu um carro, mãe. Escreve para.